C'est donc un plaisir de vous recevoir avec le président de la comité d'agglomération du Val de Fenche, Michel Bigot, qui nous fait l'honneur de louer notre théâtre, je dis bien louer notre théâtre. Assurément, j'ai raison, je trouve que c'est traditionnel, cérémonie de. Alors pourquoi le louer? Parce que, comme toutes les villes, comme toutes les communes, cérémonie de Gersange ne roule pas sur l'or. Hein. On va essayer de trouver des moyens là où il y en a. Alors, nous, c'est petit. Par rapport à d'autres, c'est petit ce qu'on demande. Je pense que ces instants de rencontre lors des cérémonies qui se veulent conviviales, avant toute chose, nous donnent l'occasion d'aborder avec confiance les défis qui nous attendent. Mais ça, c'est pour après. Quand on regarde devant soi, les regrets, s'il y en a, ne doivent pas compromettre l'avenir. Il faut savoir bousculer les idées reçues et s'ouvrir aux autres. Nous sommes depuis un mois déjà dans une nouvelle année. Pour autant, les problèmes d'hier ne sont pas résolus. Bien au contraire. La crise spéculative de l'énergie accentue les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Notre système de santé, que beaucoup nous enviaient, est en léthargie. Le réchauffement climatique entraîne des conséquences catastrophiques. Il est à l'origine de l'augmentation des inégalités, d'une perte de la biodiversité, de la sécheresse, de la montée des eaux, des cyclones, des tempêtes et bien d'autres choses encore. Pourtant, peu de choses ont changé. D'ailleurs, la 27e COP de Sharm el-Cheikh du mois de novembre 2022 a accouché d'une souris. En fait, je crois que la règle fixée, ça doit être réunissons-nous pour que rien ne change. Ça veut dire, tout cela pourrait paraître et rendre dérisoire tout nouveau débat. Plus près de nous, les problèmes du transport collectif avec un concessionnaire qui ne peut assurer convenablement cette mission du service public par manque de chauffeurs. On est confronté toutes les semaines à ce genre de situation. Le projet concernant la 31 bis qui ne fera que déplacer des problèmes rencontrés par les frontaliers, et je pense sans répondre, c'est un avis personnel, sans répondre aux enjeux de demain avec le développement du transport collectif, l'utilisation du chemin de fer et la réhabilitation d'anciennes lignes. Monsieur le maire de Thionville en a parlé hier, lors des vœux la communauté de l'agglomération de Thionville, ou encore par le fluvial pour le transport des marchandises. Enfin, pensez bien que je vais quand même dire deux, trois mots. Enfin, l'intercommunalité, la fusion de deux communautés d'agglomération, en cause en coulisses, c'est vrai qu'on en cause, nous posons des questions sur le bien fondé de la démarche, avec notamment l'éloignement du centre de décision ne serait-il pas un vecteur déficient pour la démocratie? La taille de cette nouvelle structure ne peut-elle pas provoquer un surcroît de bureaucratie? Ou encore, il peut y avoir, une agglo de cette dimension peut-elle apporter un pouvoir financier renforcé, etc., etc. Il y a beaucoup de questions sur lesquelles il va falloir qu'on se mette à table et qu'on y réponde. Alors ces préoccupations et questions que je sais partager appellent des réponses pour nous guider dans les choix que nous serons amenés à prendre pour nos collectivités. De tout cela, nous devons en débattre parce que les choix à venir intéressent non seulement nos communes, mais aussi la vie de nos citoyens. Dans l'immédiat, je vous adresse avec le conseil municipal de Sérémange nos meilleurs voeux et que 2023 soit pour vous et vos familles une année pleine de bonnes et agréables surprises. Je vous remercie.